Oh, Yoshi. Obina. Messieurs, où sont les trois minéraux que je vais garder de l'autre côté? Mais, monsieur, je ne sais pas où. Tu m'as dit que tu ne sais pas. Il n'y a que toi et moi dans ces chambres. Où est mon argent? Messieurs, la patronne était venue. Et qu'est-ce que signifie madame était ici? Ma femme était ici et je lui ai donné suffisamment d'argent pour faire ce qu'elle voulait faire. Elle ne pouvait pas prendre l'argent sans me dire. Où est mon argent? Messieurs, je jure que je n'ai même pas vu votre argent. Je n'ai pas pris votre argent. Je vous jure, je n'ai pas pris votre argent. Et ce n'est pas de ma nature. Je n'ai pas pris votre argent. Il doit se trouver quelque part. Allô, chérie? Oui, mon amour. As-tu pris l'argent que j'avais gardé dans la caisse? Quel argent? 300 000 naira. Je voudrais payer le gens qui travaille avec moi ici. Je n'ai pas vu d'argent. Obina a dit qu'il t'avait vu dans les environs. Obina dit quoi? Ok, je reviens dans le shop. Chauffeur, rentrons au shop. Oui, ingénieur. Ingénieur. Notre boss, notre patron. Ingénieur. Ingénieur, j'ai faim aujourd'hui. Pourquoi ce retard? Tes hommes ne sont pas encore là pour déposer les matériels à temps tel que qu'a été convenu. Hey, en tout cas, mon cher, c'est de ma faute. J'endosse la responsabilité. Le marchand des hommes, j'ai l'air. Oui, mais les conteneurs que j'avais achetés ne sont pas encore prêts. Alors, s'il te plaît, je crois que dans une semaine, tout se passera bien. Comment va la famille? Gloire à Dieu, ça se passe bien, en tout cas. Alors, s'il te plaît, laisse-moi accomplir votre tâche. Salut, madame. Quand est-ce que tu m'as vu prendre l'argent ici? Hein? Aïe, aïe, aïe. Non, mais chérie, non, mais tu es stupide. Dis-moi, quand est-ce que tu m'as vu ici? Non, laisse-moi le... Non, mais tu joues avec moi. C'est bon. Si j'avais pris quelque chose, j'aurais dû te parler. Tu m'aurais parlé seul.
Bébé, je suis désolée. Tu étais occupée avec tes clients. Je t'ai interrompue. À la prochaine fois, tu peux juste m'écrire. Hein? Ok, j'ai écouté. Chérie, je vais rentrer au marché. Bisous. D'accord, c'est bon. Désolé, qui est-elle? Désolé pour le désagrément, c'est ma femme. Ok, c'est bien. Continuons avec notre affaire. D'accord, on parlait de quoi déjà? J'ai une nouvelle liste que tu dois remplir. Tu dois faire avant que nous débutions. D'accord, il n'y a pas de problème. Montrez cette liste. Jésus. Tout se passe bien. Je ne vois pas le sac de documents que j'ai déposé ici. Ton petit sac. Tu es sûr que c'est pas dans le véhicule? Non. Je l'ai déposé ici. Mais je ne le vois pas. Mais ça peut être où? Ce n'est pas possible. Pourquoi un dérangement pareil? Je sais ce que j'ai dit. J'ai déposé mon sac ici et je ne le vois pas. Être ton client, c'est un crime. Pardon, cherche mon sac. Cherche-le. Oui, j'ai besoin de mon sac. C'est juste un petit désagrément. Obina, aide-moi à sortir toutes ces choses. C'est juste un petit désagrément. Ça va s'arranger. Est-ce que tu comprends? Allô, bébé? Oui, mon amour. J'ai un petit problème. Quel problème? Tu vas bien? Non, je vais bien, je vais bien. Je suis en train de chercher quelque chose. Le sac, tu l'as vu? Non, je n'ai pas vu et je n'ai pas pris le sac. Oui, je vois. Un client est en train de chercher son sac. Voilà pourquoi je vais décider de t'appeler. Je n'ai pas vu ça. Essaie un peu de chercher partout. Moi, je n'ai pas vu ça. Soit tu peux demander à tes travailleurs, tu peux demander aux femmes de ménage et tout. Essaie de chercher. Ça doit sûrement être quelque part. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu es rentrée du boulot, je vois que ton humeur n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas heureux. Pourquoi? Ingénieur Dave n'a pas trouvé son sac. Et il a été prouvé vraiment que son sac était là. Et cela a vraiment impacté sur le contrat qu'on avait signé. Les gens sont vraiment mauvais. Je vois que j'ai tout perdu. Y a-t-il d'autres solutions que nous pouvons faire? Je veux dire, y a-t-il d'autres copies de papier? Rien ne peut être fait. Je me demande comment ce sac a été perdu. Ça n'a pas été perdu. Le sac a été volé. Un sac n'a pas de jambes, ça n'a pas de bras. Ça a été volé. Essaye de parler avec tes travailleurs. Peut-être qu'ils pourront le remettre. Je leur avais demandé, puis ont clamé leur innocence. Je les ai même suppliés d'avouer cela. Peine perdue. S'il te plaît, sois heureux. Ok. Des gros contrats, se présenteront. Des gros deals, se présenteront. Sois juste calme, chérie. J'ai travaillé dur pour ces contrats. J'ai travaillé ce dur et j'y ai mis beaucoup d'argent. Pourquoi? Pourquoi? Je suis désolée. Tu dois juste être fort et heureux, ok? S'il te plaît, je prépare ton favori.
Frappez, plus fort, plus fort que ça, frappez, frappez encore. Oui, ma fille. Maman, je suis désolée de t'appeler au milieu de la nuit. Il n'y a pas de problème. J'espère que tout va bien. S'il n'y avait pas de problème, je n'allais pas t'appeler à cette heure. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais des terribles cauchemars. J'ai rêvé qu'il y avait beaucoup de gens avec des pierres et tout ce qu'il fallait pour me lapider, maman. C'est ni les sons effets au nom de Jésus. Amen. Mets-toi à genoux et répète après moi cette prière. Oh mon Dieu, je me lève contre ces rêves au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, je me lève contre ces rêves au nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout esprit maléfique. Je me lève contre tout esprit maléfique et je prie que tu continues de protéger ma fille. Et je prie que tu continues de me protéger. Tout ce qui s'élèvera contre elle, soit ni le sang du fondement de Jésus. Et que cette attaque spirituelle ne revienne plus jamais au nom de Jésus. Oh, salut, tu es là. Je reviens du shop pour prendre... Joyeux anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire. Je pensais que tu avais oublié. C'est impossible. Comment devrais-je oublier? Comment pourrais-je oublier cela? C'est impossible d'oublier. Joyeux anniversaire, bébé. Chérie. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Peu importe les occupations que j'ai, je ne peux jamais, alors jamais oublier ton jour spécial. Merci, chérie. Je t'ai apporté quelque chose. Tu vraiment? Ah ouais. Merci, merci. Bien. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Oh. Je t'aime aussi, chérie. Tu sais, tu as un bon goût. Tu trouves vraiment. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Merci. Ce n'est pas tout. Nous devons sortir de telle sorte que nous passions un bon moment dans notre bon hôtel. Es-tu sérieux? C'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Je t'aime, mon mari. J'arrive. Je dois aller préparer quelque chose. Oh. Merci. Yeah.
Vraiment, tu as aimé l'endroit? Oui. Bon, bénédiction. Ok. Comme ça? Oui. D'accord, on s'en va alors. Vraiment, d'accord. Prends soin de toi, chérie. Alors, fais-moi quelque chose. Allez, stop. Et qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Oh, chérie. Ah, je l'ai confondu. Excuse-moi, mais est-ce que tu es sûre de ça? J'utilise aussi un iPhone, alors c'est possible que je puisse confondre les chargeurs. De quoi tu parles? Chérie, c'est quoi le problème? Oh, Stivo. Mon ami, c'est toi qui es là? Mon cher ami, mon cher. Regarde-toi. On te voit. Content de t'avoir vu aussi. Ça fait un long moment que je ne t'ai pas vu aussi. Bien. Aujourd'hui est le jour de mon anniversaire. Okay. Et je suis venu le célébrer avec la femme avec qui je me marie. Oh, waouh. Félicitations. Merci. Merci. Voici Nelly et voici Djeku. Djeku est mon associé d'affaires avec qui mon entreprise collabore. C'est bien, c'est pas, y a pas de problème. Ce sont des choses qui arrivent, ok? Et à mon tour, ça c'est ma femme, Onyekechi. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et oh, voilà, on est wow, bien fêté. Wow. C'est un plaisir pour moi de fêter mon anniversaire avec l'ami de mon mari. Mm-hmm. Joyeux anniversaire. Merci. Ravie. Content de t'avoir rencontré aussi. Mengi, je suis désolée. Désolée pour ce qui vient de se passer. Ce n'était pas dans mes intentions. Je voulais juste prendre ce chargeur pour m'aider à pouvoir charger. Il n'y a pas de problème en tout cas. L'excès des charges n'est pas bien pour les chargeurs, d'accord? C'est bon alors. Et cette réunion mérite d'être célébrée. Et c'est nous qui allons prendre toutes les charges. Non. Vous êtes supposé être à l'honneur pendant que moi je paye pour vous, d'accord? Donc vous êtes de bébé pour moi et c'est moi qui paye tout pour vous, d'accord? Alors on commence la fête. Mais j'ai été vraiment clair envers vous, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Honnêtement, ça non, peut marcher. Non, ça ne peut pas. Comment est-ce que ça peut marcher? Ah, ça peut pas marcher. Passez un bon moment. Mon frère est en train de partir. Mes frères, je dois partir déjà. Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez. J'ai déjà fait une réservation pour vous. Afin que tu passes la nuit avec ta femme. Tu veux qu'on passe la nuit ici? Oui. Chérie, à quoi tu penses? Je pense que je serai la maladière. C'est bon, on peut continuer. Oh, chérie, on part. Oh, oui. Alors, Steve? Oui, je crois qu'il habite dans environ 6, 7 ou 8 minutes. J'ai vu qu'on aille lui voir. Vraiment? Oui, bien sûr. Très belle. Merci. Laisse-moi te dire ça. Oh, ne te dérange pas, mon mari. Ne te dérange pas. Bon. Je peux le prendre. Alors, hein? je suis là. D'accord, j'arrive. C'est bon, bébé. Salut, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Tu veux faire un check-up? Oui, exactement. Je pense que tu vas tellement aimer notre service. Oui, ma femme et moi avons vraiment apprécié. Merci. Boss. Pardon, messieurs. Nous sommes en partenariat pour contrôler la salle. Notre client a perdu son sac avant d'aller contrôler l'extérieur. Il n'y a pas de problème, donc je crois que tu peux récupérer les clés et voir, checker tout et tout, voir si c'est intact. Je viens de chercher là-bas.
Ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu avais vu quelque chose? Pas du tout. Alors, nous avons raison de contrôler et aussi tes travailleurs. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ça c'est quel comportement ça? Ça sent bêtise. Chérie, allons-y. Désolé, monsieur. Ça c'est une grande distraction pour notre service. Désolée pour ça. Je suis désolée. Regardez-le. Il n'y a pas grand-chose, ok? Comme vous pouvez voir, on n'a presque pas grand-chose. Juste le sac de madame que vous pouvez voir. Il n'y a rien dans mon sac. Je peux voir? Bébé, s'il te plaît, allons-y, quittons cet endroit. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est juste que c'est un règlement que tous nous devons respecter. Alors, le sac est là. Faites ce que vous voulez. Ah, cette étoffe est la nôtre. Comment tu as pris ça? Oh, stop! Je ne sais même pas comment ce qui s'est arrivé ici. Hein? Écoute, pourquoi tu contrôles mon sac? Tu es stupide? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu cherches encore dans mon sac? Chérie, je suis désolée. Je ne sais même pas qui l'a mis dans mon sac. Ou encore c'est arrivé comment, mais là, ce n'est pas un problème. Enlève ça devant moi. Je n'ai rien à foutre avec ça. S'il te plaît, allons-y. Mon amour, attends-moi, d'ailleurs, hein? J'arrive, je ne traîne pas. On est vraiment désolé. Hein. Okay. Ça doit vraiment être une erreur. Je ne crois pas qu'elle a pu faire ça. Pardon. Okay. D'accord. Merci. Ok, merci ça va. Beaucoup. Merci. Bonne journée. Tu vois ce que je t'ai dit concernant ce genre? Ne me dis pas que tu le crois. Pourquoi ne devrais-je pas le croire? Ça s'est passé exactement au même endroit. Pourquoi ne devrais-je pas le mais croire? Mais comment veux-tu que je te dise que je suis fatigué? C'est ce genre de bêtises que tu cherches à raconter. Tu es fatigué, tout le monde est fatigué. Donc je suis plus fatigué que toi. Le problème, c'est que tu te comportes très mal. Es-tu fou? Tu le sais très bien que je n'aime pas que quelqu'un s'approche de mon mari. Tu sais de quoi je suis capable. Je suis désolé.
tu t'es senti vraiment blessé. Et je crois que je ne vais plus revenir dans toutes ces bêtises. Le fait de croire aux gens qui détruisent notre amour. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir frappé. S'il te plaît, pardonne-moi mon mari. Je le ferai plus jamais. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est bon. Je suis désolée. Ça va plus se répéter. Je te crois. Merci. Oui, est-ce que tu te rappelles du jeu vidéo qu'on a dû acheter chez Monsieur Sam? Oui, je me souviens. Oui, le mari est là. Je crois qu'il est déjà partant pour tout ce qu'on s'était entendu. Et je suis déjà prêt à lui présenter le jeu vidéo de manière à ce qu'il puisse juger et qu'on puisse faire le papier. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Je te l'avais dit. Mon amour, il y a un problème. Le jeu n'est pas ici. Vraiment? Je pense que c'est resté à la maison. Non, ce n'est pas à la maison. J'avais demandé à Obinna de l'amener ici ce matin, mais il n'y en a pas, vraiment. Essayez un peu de bien chercher. Bon, je ne sais pas, mais tu connais Obinna. Peut-être qu'il a mis ça quelque part. Je ne sais pas. Je lui ai demandé, il a dit qu'il n'a pas vu ça. Demande Obinna. Demande-lui très bien, tu le connais. Mais il accepte difficilement. Demande-lui, je suis sûre qu'il connaît. Comment quelque chose peut disparaître comme ça? C'est pas bien. Ok, d'accord. Bon, à plus. Non, mais est-ce que tu vois ça? Pas de problème. Je viens à peine de confirmer que le jeu vidéo n'est pas ici, ce n'est pas non plus à la maison. Ce n'est pas un problème, Djekou. Je t'ai dit de ne pas te déranger. Ah, je vais m'inquiéter parce que tu es l'un de mes plus gros clients. Et je sais la promesse que je t'ai faite. Mais s'il te plaît. Mais ça dépend soit à la famille, Junior que je vais personnellement lui apporter le jeu. Junior viendra lui-même ici. Mais salutations aussi à ta femme. Bien sûr, merci. Merci. D'accord. Obinna. Obinna. Madame, tu n'as pas payé pour ça. Excuse-moi. Tu veux dire que tu n'as pas ajouté ça dans ma facture? Madame. Madame, quoi? Quoi? Tu es stupide, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi? Je t'avais dit que j'avais besoin de chocolat, qu'est-ce que tu as fait? Oh, ferme-la, si je change d'humeur, je vais te virer. Oui, tu commences à m'énerver. Excuse-moi, tu ne l'as pas additionné, c'est ça? Comme tu ne l'as pas fait, je ne sais pas. Je t'avais dit que j'en avais besoin et toi, tu as oublié. D'ailleurs, j'en ai plus besoin. Prends-le. Oh, ferme-la. Regarde les comportements. Monsieur, je suis sûr que je suis venu avec ça ce matin, comme vous l'aviez demandé. Je suis sûr que je l'ai emmené. Je suis très très sûr, monsieur. Obinna. Monsieur? Si tu es sûr que tu es venu avec le jeu vidéo, alors capte ça. Je ne sais pas. Tu veux dire quoi par ne pas savoir? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas savoir? Tu blagues avec moi? Non, monsieur. Ou tu penses que c'est une aventure? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas savoir? Tu es le seul employé que j'ai dans cette boutique. Et s'il y a quelque chose qui se perd, comment est-ce que je saurais qu'il y a quelqu'un qui l'a pris? Monsieur? Vos marchandises ne peuvent pas manquer. Je suis très sûr que vos marchandises ne peuvent pas manquer. Monsieur, jamais ça ne pourra manquer. Je suis très sûr que ça ne pourra jamais manquer. Alors, où as-tu gardé le jeu vidéo? Monsieur, je l'avais gardé ici. Oui. Avant que je me déplace, je l'avais laissé ici. Mais ce n'est pas ici. Il n'y a rien là-bas. Obinna, quand monsieur, tu mettais ton jeu vidéo de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui t'avait vu le faire? Quelqu'un d'autre? Oui, messieurs.
Madame m'avait vu pendant que je l'ai déposé ici. Et elle était là quand je l'avais laissé ici. Elle m'avait vu. Ma femme. Oui, monsieur. Tu es un garçon stupide. Tu es vraiment un garçon stupide, tu es fou. J'ai appelé ma femme, elle m'a dit qu'il est possible que tu aies laissé le jeu vidéo à la maison. Et c'est la même personne que tu as dit qu'elle t'a vu mettre le jeu vidéo là-bas. La même personne. Obina. Monsieur. Obina. Monsieur. Obina. Monsieur. Combien de fois t'ai-je appelé? Trois fois, monsieur. Je pars à la maison chercher le jeu vidéo et si je le trouve, hein, tu es fini. Mais je suis très sûr que je l'avais emmené ici. Eh mon Dieu, je ne sais pas, je serais fini. Ije, tu ne vas pas rentrer au couvent? Grand frère, je n'irai pas au couvent sans mon voile. Ah, comment tu peux dire de telles choses? Mais mets juste ton voile et puis tu pars, non? Regarde ces choses, le chauffeur t'attend. J'ai cherché mon voile, mais je ne le trouve pas. Mais je crie que tu as mis quelques habits dans la bianderie. Non, tontine, je t'avais dit que je vais nettoyer seule mes habits et je l'ai fait. J'avais mis ça dans l'autre sac. Et quand j'étais en train d'emballer les habits... Je n'ai pas vu mon voile. Yeah. Et ça... Ça, c'est... Ça n'est jamais arrivé à la maison avant. Cherche ton foulard, non? C'est sûrement quelque part. Oh, mon frère, je ne peux pas retourner au couvent sans voile. Je serai vraiment puni. Mais ton voile doit être quelque part, non? Hein? Va seulement le chercher. Je suis sûr que c'est quelque part. Calme-toi, hein, s'il te plaît. Tu vas en trouver. T'inquiète, je vais t'aider à le trouver. Ça doit être quelque part, hein? Merci, tontine. Obo, monsieur, ouvrez le portail. Bonjour, comment ça va? Monsieur, s'il vous plaît, notre balle est entrée dans votre parcelle. Votre balle? Dans ma parcelle? Oui. Ok. Obo, monsieur. Leur ballon est tombé ici. Va avec eux, comme vous puissiez chercher ça. Monsieur, je n'ai pas vu les ballons. Je l'ai cherché partout. Je ne l'ai pas vu.
vous avez bien cherché. Oui, monsieur. Ok, d'accord, tu peux partir. Oui, monsieur. D'accord, les amis, je vais vous acheter un autre cabalon. Hein? D'accord, attendez. Mon cher. J'ai une nouvelle liste que tu dois remplir. Tu dois faire avant que nous débutions. Ok, c'est bon. On va travailler dessus. Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je ne vois pas le sac de documents que j'ai déposé ici. Il y a quel sac encore? Tu n'es pas sûr que ce n'est pas dans ton véhicule? Non, je l'ai déposé ici. Mais je ne le vois pas. Mais ça peut être où? Ce n'est pas possible. Pourquoi un dérangement pareil? Je sais ce que j'ai dit. J'ai déposé mon sac ici et je ne le vois pas. Calme-toi. Être ton client, c'est un crime. Calme-toi, essayons d'apaiser la situation. Et s'il te plaît, calme-toi. Pardon, cherche mon sac. Cherche-les. Calme-vous, hein? Oui, j'ai besoin de mon sac. Allô, bébé? Allô, chérie? Il y a un petit souci ici, hein? Quel problème? Tu vas bien? Oui, ça va un peu bien, mais je suis en train de chercher un sac. Tu ne l'as pas vu quand tu étais ici? Non, je n'ai pas vu et je n'ai pas pris le sac. Oui, mais mon client est en train de chercher un sac. Il a perdu un sac juste quand il était ici. Je n'ai pas vu ça. Essaie un peu de chercher partout. Moi, je n'ai pas vu ça. Soit tu peux demander à des travailleurs, tu peux demander aux femmes de ménage. Tu peux essayer de chercher. Ça vient sûrement de quelque part. Moi, je ne l'ai pas vu. Je suis pas heureux. Pourquoi? L'ingénieur n'a jamais trouvé ce sac. Claire s'est vraiment rassuré et tout ça a été fait à tout le contrat qu'il a dû signer avec moi. Et tout a été foutu en l'air. Tout ça à cause de ce sac. Et j'ai perdu l'affaire. Y a-t-il d'autres choses que nous pouvons faire? Je veux dire, est-ce que il y a une autre copie de papier? Rien ne peut être fait. Je me demande comment ce sac a disparu. Ça n'a pas disparu, ça a été volé. Un sac n'a pas de jambes, ça n'a pas de pieds, ça a été volé. Essaye de parler avec tes travailleurs. Peut-être qu'ils pourront le remettre. Je leur ai demandé, ils ont dit qu'ils n'ont rien fait. Je leur ai même demandé de pouvoir le confesser. Ils n'ont rien dit. Oh. S'il te plaît, sois heureux. Ok. Des gros contrats, c'est présentant. Des gros deals, c'est présentant, soit jusqu'à... J'ai travaillé beaucoup sur cette affaire. J'ai mis beaucoup d'argent. Pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi? Je suis désolée. Tu dois juste être fort et heureux, ok? S'il te plaît, je préparerai ton favori.
Donc ça a été toi depuis tout ce temps. Je suis désolée. Je suis désolée, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Désolée. Comment devais-je te croire? Dis-moi comment. Je suis désolée, je le suis. J'ai besoin d'une pause. Je veux que tu partes de ma maison. Essaye de te ressaisir. Allez. Je te connais très bien. Je t'ai bien élevé. Même si je suis pauvre et veuve, je sais que tout ce qui se passe, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose. Maintenant que tu es ici, nous chercherons la face de l'Éternel pour ses problèmes. Biko, maman, j'ai vraiment envie de changer. J'aime beaucoup mon mari. Je n'ai pas envie de perdre mon mari. Je ne vais pas continuer comme ça. Je ne vais pas... Oh maman, je vais aller parfaitement bien. Oui, maman, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Tu ne peux pas perdre ton mari. Tu ne peux pas, parce que je sais combien tu l'aimes. Mon enfant, je veux que tu saches que ce défi est spirituel. Ne l'oublie pas. Pas. Oh, Seigneur Jésus, c'est bon, tu dois être forte maintenant, essuie les larmes sur ta figure, ok, pardon, tu dois faire semblant. Ne permets pas que quelqu'un sache ce que tu es venu faire ici, ok? Si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais ici au village, dis-leur que ton mari a voyagé. Tu dois le garder pour moi. Pardon. Oh. Ok. Ah.
Oh Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, je t'invoque en tout lieu et en tout temps, tu me réponds. Tu es le Dieu des réconciliations. Lorsque je suis dans une situation, tu viens toujours me secourir. Tu m'as dit « Rien n'est impossible quand tu te réconcilies avec le pouvoir céleste. » Aide-moi à concrétiser la situation. Les dieux des démunis et des abandonnés. Et mes larmes seront essuyées au nom de Jésus. Amen. Pendant la prière, j'ai vu une révélation que tu es une force démoniaque qui te pousse à voler sans pudeur. L'intention et l'éventuel plaisir après avoir commis l'acte du vol. Père, c'est pour cela que nous sommes venus chez toi. Il y a beaucoup de choses qui sont à la base de ceci. Mais je vais vous rassurer que notre Dieu Tout-Puissant viendra pour intervenir. Amen. Ce qui a été révélé à moi, elle a une fin tragique. Mais avec la prière et demander à Dieu l'intervention, c'est l'unique moyen que je peux vous recommander. Ah, mais avant ça, j'ai besoin de vous poser quelques questions. Tu prends les produits? Médicaments? Peu importe quelle substance qui peut t'intoxiquer ou stimuler tes actions ou tes intentions. Non, je n'ai jamais pris un médicament. Ah, je demande ceci parce que nous nous battrons et résister aux loges du vol qui règne dans la vie spirituelle et physique. Parce que c'est ça la clé pour te récupérer. Le vol est devenu une habitude, même au cas où tu ne veux pas le faire. Parce que je t'avais vu dans la révélation voler quelque chose dont tu n'as pas besoin. Pourquoi une femme enceinte doit-elle voler? Vas-y, encore un peu d'effort. Pousse! Vas-y, pousse! Pousse, pousse! Écarte bien tes jambes. Vas-y, fais-le! Pousse! Regarde, l'enfant est là. Il n'est plus loin, vas-y. Vas-y, pousse! Pousse! Vas-y, encore un peu d'effort. Pousse! Hey! Oh! Mon Dieu! Je suis seulement un homme. Ce que je veux de toi est de croire en Dieu. Permets-lui de diriger tes pas. Priez en privé. Je viendrai prier avec toi dans le 21 jours de jeûne et de prière. Et je crois que après avoir jeûné, Dieu viendra pour intervenir. Amen.
je vais te laisser quelques psaumes de prière que tu commenceras à lire avant de prier. Maman, tu vas prier avec elle. Amen, Père. Que Dieu vous bénisse. Allô, Steve. Je ne suis pas sorti aujourd'hui. Tu sais, il y a 3 jours que je ne me sens pas trop bien et je me suis vraiment décidé de rester à la maison un peu. Non. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a quelqu'un qui va bien assumer la responsabilité. Je vais résoudre le problème. Je vais lui communiquer et lui dire ce qu'il doit faire pour que nous puissions arriver à pallier à ça. D'accord, merci. Je t'avais dit que j'ai besoin d'une pause. Arrête de m'appeler. Arrête. Écoutez ma voix, pourquoi? Hein? Écoutez ma voix, pourquoi? Je t'avais dit que j'ai besoin d'une pause. Arrête de m'appeler. Ne peux-je pas rester tranquille? Laisse-moi calme. Bonjour, oncle. Bonjour. Kachi, viens. Sur ce que je t'avais dit, toi et ta mère, la nuit dernière. Je pense que je dois
commencé à beaucoup considérer et être attentionné à tes émotions. Kachi, j'aimerais que tu le mémorises dans ta tête que je m'inquiète énormément pour toi et je pense toujours à ton meilleur intérêt dans mon cœur. J'ai gagné beaucoup financièrement de ton mariage avec Chukudeku. Toi et moi savons ce qui s'est passé après la mort de ton père. Conflit avec ta mère concernant la propriété de la famille. Suivi aussi de ce que ton mari m'avait donné lors de votre mariage. Tout ça a quand même occasionné cela quelque part. Oui, je sais. Et j'avais utilisé cet argent pour acheter quelques bus qui font le transport de personnes en partant de ces villages à d'autres villages. Je me souviens bien, oncle. Merci. Je veux juste te rappeler que Chukudeku est un bon mari. Les genres de mari que toutes les femmes dans ces villages ont envie d'avoir. Je te dis, et même d'autres femmes de villages voisins, elles aimeront toutes l'avoir comme mari. Alors, je veux te supplier au nom de Dieu de trouver une place dans ton cœur, de pardonner tout ce qu'il t'a fait de mal. Oncle, ce n'est pas ça. En réalité, je ne veux même pas savoir comment c'était. Je ne suis pas non plus intéressé à savoir qui a tort ou qui a raison. Tout ce que je te demande, c'est de tout reparer avec ton homme afin que tu repartes dans votre maison. Merci beaucoup, oncle. C'est à moi de le dire. Merci pour tous les conseils que tu m'as donnés. Tu es comme un père pour moi. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Et je suis désolée de ne rien te dire. C'est bon alors. Où es-tu en train de partir? Je vais aller voir quelques amis. Ne traîne pas. D'accord, oncle. D'accord. Oudé, qu'est-ce que tu fais? Je veux moi-même couler mes habits. Le domestique n'est pas là. C'est vraiment gentil de ta part, mais ça ne sera pas nécessaire. J'ai déjà quelqu'un qui peut le faire facilement pour moi, ne t'en fais pas. Moi, je suis là. Grand frère. Oui. Ça, c'est ma voile qui s'est perdue la dernière fois que j'étais ici. C'était retrouvé plus tard. Comment vous ne l'avez pas dit? Et où avez-vous trouvé ça? C'est un problème. Ce n'est pas un problème. Tu l'as déjà retrouvé et tu veux le prendre. C'est bien, normal. Je suis juste étonnée que je laissais il y a longtemps mes habits si ça ne s'est pas perdu. Seulement ma voile. Et j'avais pris ça comme une blague. Tu sais quoi? Si c'est pour m'insulter que tu viens avec mes habits, tu peux facilement les laisser, d'accord? C'est bon. Passe une bonne journée. Est-ce que tu vas bien? Mais tu es choquée. Tu veux qu'elle soit proche de toi, c'est ça? Ah.
Eneka. Cathy, ma chère. Oh, ma copine. Oh, tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué. Qu'est-ce que tu es devenue? Cathy, regarde-toi maintenant. Tu as l'air très belle. Et tu es très belle. Merci. Ça fait longtemps. Tu m'as beaucoup manqué. Cathy, quand est-ce que tu es venue dans ce village? Ça fait plus ou moins une semaine que je suis là. Cathy, une semaine? Tu as changé. Depuis que tu t'es mariée, tu as changé. Tu as même oublié ta meilleure amie. Annie, je suis désolée. C'est vraiment pas ça. Tu vas vraiment pas comprendre. Mais à chaque fois que j'essaye de te joindre sur WhatsApp, Instagram, ton Facebook, tu n'es pas en ligne. Ah. Tu sais, il faut toujours être en ligne. C'est que tu es en train de parler. Je t'ai cherché sur Facebook. Je t'ai cherché sur Facebook. Quand tu regardes, c'est un village. Et tu n'es pas nouvelle dans ce village. Ok, je suis désolée. Je ne vais plus te blâmer. Désolée. Je vois. Alors maintenant, je suis tellement occupée. Ma maman m'a envoyé vite, mais je viendrai te voir. Je viens te voir à la maison. Merci. Merci. Je pars au marché. Je t'attendrai dès que je serai derrière toi. Ça ne me dérange pas. Juste prends soin de toi. Prends bien soin de toi. Et mais quand tu vas jamais changer. Je t'ai risque. J'ai risque de te revoir encore, ma chère. Allez, je c'est pas bon. Changer, tu sais bien. Merci. Oui, hey, mon ami. Maman, attends. Oui. Attends, maman. Oui. Ah, laisse-moi t'aider avec ça. Ma fille. Merci, oh. Oh. Ma fille. T'inquiète pas. Fais boire des chauffages, pèse beaucoup. Pas de problème, maman. Je vais t'aider. Je vais t'aider. C'est trop lourd pour toi. Allons-y. Ok, ma fille. Ah. Mm. Fille, mon cœur a beaucoup apprécié ce que tu as fait. Laisse que Dieu te bénisse. Maman, ne me remercie pas. Ce n'est rien. Ma fille, je n'ai rien à la maison à te donner. Mais je vais t'offrir un gobelet d'eau. S'il te plaît, accepte-le. Maman, ne te dérange pas. Ça va. Je vais bien. Hein? Je sais que tu vas tester cette eau. Mais c'est le Dieu qui m'a demandé de te donner cette eau. S'il te plaît, accepte cette eau que je vais te donner maintenant.
Je vais beaucoup l'apprécier. S'il te plaît, ma fille, accepte. Fais-moi plaisir. D'accord, maman. Merci beaucoup. Ma fille, mets-toi ici. Laisse-moi aller te chercher de l'eau. Stop! Ma fille, pourquoi tu as fait ça? Ce que tu as volé là, on me l'a donné par mon mari pendant qu'il était en train de mourir. Il a été tué à main nue. Il y a 29 ans maintenant. Ces perles est la seule chose que je garde comme souvenir de mon défunt mari. Ma fille, s'il te plaît, je t'en supplie, au nom puissant de notre Dieu, peux-tu me remettre ces perles, s'il te plaît? Ne pars pas avec. S'il te plaît. S'il te plaît. Maman. Je suis désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il te plaît. Je suis désolée. Désolée. Ma fille. Tu es une fille jolie et intelligente. Tu pouvais partir avec ça. Mais, laisse-moi voir ta mère. Cadavre, ne sais pas qu'il y a une mouche dans l'intérieur de sa bouche. Qui t'a fait ça? Je ne sais pas si je dois te le dire. Je ne sais pas. Je cherche des solutions pour ces problèmes, mais jusque-là, je ne trouve pas. Mais ça se répète. Si quelqu'un a besoin de l'œil d'un animal, il doit commencer par couper sa tête.
Hey, ce n'est pas vrai. Dis-moi, mon beau-fils, tout ceci pour moi? Pour moi seul. Je ne veux plus encore te dire que Dieu te bénisse parce qu'il t'a déjà béni et il continuera à te bénir. Ça, c'est quoi? Tu m'as amené à manger. Merci, maman. Merci. Il y a des moments où on aurait besoin de se parler. Mais en fait, nous manquons des mots. Et à chaque fois, quand le monde n'arrive pas à comprendre ce que nous ressentons, je te crois maintenant. Et je crois que tu peux s'arranger. Je crois en nous et à tout ce dont nous avions partagé. Oh, Chai! Mon beau-fils, venez vous asseoir ici.